Moi, je suis étudiant en première année de master à Sciences Po Lyon, le tout début du festival, donc il y a 10 ans, j'étais déjà là parce que je jouais il y a 10 ans. Donc voilà, c'est une longue histoire d'amour entre moi et le week-end musical depuis. Et je suis actuellement responsable du staff, donc voilà. Alors cette année, on a tout vu en grand, et je pense que ça se ressent aussi au niveau du festival parce qu'on a beaucoup de gens et c'est vraiment hyper intense. Bon, on dort pas beaucoup, mais c'est pas trop un problème. Et de beaux moments musicaux et que du kiff, quoi. Alors moi, j'écoute un peu de tout. Ça va du classique au jazz à de la drum and bass, de la techno. Enfin, je suis assez éclectique d'un point de vue musical, donc voilà. Pour moi, c'est une suite d'accord que j'avais trouvé, je sais plus où. Ah non, ça fait un peu Miyazaki en mode. Quel instrument ? Violoncelle. Mais je fais des auditions, comme des petits concerts. Ok. Il paraît que t'es la mascotte. C'est vrai. Alors elle fait quel bruit, la mascotte ? Babar. T'as vu Babar ce matin ? Oui. Ça t'a fait rigoler ou ça t'a rendu triste ? Ok, mais t'as bien aimé quand même. Oui. Après le mariage et le couronnement, tout le monde danse de bon cœur. Le directeur de ce festival au Conservatoire de Lausanne.
Alors ma relation avec le festival, bah, c'est Guillaume, parce qu'il m'a toujours conseillé de voir certains concerts, de participer à certaines masterclass. J'étais très stressée parce que Lubanski, c'est un très bon interprète, très impressionnant. En plus, il s'était mis dans le public, j'ai commencé quand même assez rapidement, et il y avait quand même pas mal de monde. Et après, ça allait mieux et il m'a donné des excellents conseils. C'était impressionnant, mais c'était vraiment cool parce que on joue pas tous les jours avec Nikolaï Lubanski. Et c'est beaucoup de plaisir. Toujours très bien, mais chaque fois plus et plus lourd. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire, mais je sens que ça va m'amener énormément de choses. J'ai appris beaucoup pendant et je trouve que c'était une chance énorme d'avoir pu travailler avec quelqu'un comme M. Lubanski, qui a vraiment pris le temps de travailler tous les aspects nécessaires. Et je pense que sur long terme, c'est des conseils que je vais pouvoir appliquer globalement dans mon répertoire. Général aussi, et à long terme, peut-être ça peut fructifier et donner quelque chose à refaire. Et parce que ça me donne toujours l'occasion d'apprendre sur nous-mêmes, aussi d'apprendre sur les autres, parce que c'est aussi inspirant de voir nos collègues camarades travailler aussi d'autres pièces du répertoire, des fois d'autres époques même. Et c'est inspirant d'être pas seulement actif, mais aussi d'avoir une écoute active, en fait, qui est également enrichissante. Alors, je m'appelle Gaston Chad. J'étudie actuellement du coup à la Haute École de Lausanne dans la classe de Igor Tchituev. Je me sens un peu plus détendu, ça c'est sûr, mais c'était très intéressant, très enrichissant, surtout de pouvoir voir comment lui fait les choses, comment il joue à côté de nous, si proche. C'est vraiment exceptionnel à un contexte comme ça. Et puis, je me suis senti super à l'aise avec la pièce que j'ai préparée parce que c'était quand même très difficile, mais j'ai essayé de m'y accrocher et puis. Donc une très belle expérience. Ce qui m'a vraiment très intéressé, c'était l'aspect sonore et tout ce qui est aussi qui touche à la production sonore, parce que justement, on pouvait le voir de si près, voire entre guillemets juste appuyer sur des touches, mais pour moi, c'était très marquant de pouvoir voir ça de si près. On va refaire sans hésiter. Alors, je m'appelle Catherine Sarrazin et j'étudie en piano à la Haute École de Musique de Lausanne dans la classe d'Igor Tchituev. J'ai entendu parler évidemment d'une programmation super et gratuite, donc tout de suite forcément je suis allée écouter beaucoup de concerts et j'avais déjà des copains qui jouaient là à l'époque. Donc j'y suis allée aussi et de fil en aiguille, chaque année je suis revenue et cette année maintenant je commence à intégrer le staff pour donner un coup de main parce que l'aventure est assez géniale. Avant la masterclass, j'étais assez stressée quand même, parce que rien, même assez longtemps à l'avance, parce que quand on se dit qu'on va pouvoir faire une masterclass avec un musicien comme Nikolaï Lubanski, c'est quand même assez incroyable. Et puis finalement, quand la masterclass a commencé, comme j'ai vu que c'était quelqu'un quand même qui était très humain et qui avait un très bon rapport avec les étudiants et qui parlait vraiment de musique, tout de suite ça a pas mal détendu et je trouvais que ça m'était dans une bonne atmosphère très bienveillante pour faire de la musique. Donc finalement, un peu plus détendu, mais quand même soulagée là, d'avoir joué et que tout soit bien passé, évidemment. Et ça m'a surtout énormément inspirée, rien que de l'avoir lui à côté, il a une telle personnalité musicale qu'en fait ça donne vraiment envie et en plus de ça, ça donne envie d'appliquer tout ce qu'il a dit là sur plein d'autres pièces et sur tout le répertoire et ça c'est hyper inspirant et enrichissant. Oui, évidemment, je viendrai le voir au concert demain soir. Alors, je m'appelle Gabriel Kreis, j'ai 17 ans. Au piano avec Pascal Godard au conservatoire de Lausanne en pré-HUM. J'ai déjà eu la chance de jouer au WEMP l'année passée, pas en pré-concert comme cette année, mais juste avant l'ouverture à l'apéro. Au début de la masterclass, quand je suis monté sur scène, j'étais stressé parce que j'étais le tout premier, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. J'étais un peu perdu aussi parce que on devait jouer notre pièce et puis Monsieur Nikolaï Lubanski était dans le public, ce que je ne m'attendais pas forcément.
Et puis après, ça allait, j'ai moins senti mon stress, je me suis concentré sur mes pièces. J'ai joué la tempête de Beethoven, le premier mouvement. Et puis, il m'a expliqué beaucoup de choses au niveau, par exemple, du tempo, bien de l'articulation, ce qui est assez compliqué pour moi. Donc j'ai pu apprendre plein de choses et j'espère les appliquer dans mon travail qui suit. Enfin, cette expérience m'a donné plusieurs idées, mais notamment c'est de jouer du Rachmaninoff ou du Chopin, parce que Nicolas Lugansky est connu pour son Rachmaninoff. Et beaucoup, les autres participants ont joué du Rachmaninoff, ou en tout cas beaucoup, et de Chopin. Et moi, ça fait très longtemps que j'en ai pas joué, et ça donne toujours envie de retoucher à ces compositeurs. Oui, ça, quelques pièces sont difficiles, techniquement ou bien musicalement, mais comme tout, tout est dur en fait dans la musique. Mais c'est surtout sa personnalité qui m'impressionne beaucoup, et des fois c'est juste tellement beau, c'est impossible de résister. Et des fois j'arrive chez moi, je me dis j'adore cette pièce, je vais la déchiffrer. Et en fait je vais jamais jusqu'au bout parce que je joue autre chose en même temps. Donc là mon but ce serait de finir quelques pièces de Rachmaninoff. Un peu stressé mais ça va. J'ai pu laisser le piano et tout, mais incroyable. Officiellement oui, c'est la première fois que je suis programmé. Je vous ai entendu, venez au week-end musical depuis. Oui, merci beaucoup, on arrive. Franchement, c'est l'un des trucs que j'adore, c'est cette idée justement de confier à des jeunes des créations de pointure de la composition ou de pointure de la musique. Et je trouve que ça apporte une vraie plus-value, que ce soit pour nous, que ce soit même pour le festival en général, je trouve ça hyper intéressant. Déjà, j'ai découvert il y a 2 mois que Béatrice Berru composait, puisque tu parlais de la composition. Et je savais pas, évidemment, je la connais en tant que pianiste. Dans le monde musical, on la connaît tous. Mais en tant que compositrice, je ne connaissais pas. Et elle m'a dit hier soir, après le concert au bar, qu'elle allait faire tout un cycle en fait, de ses pièces sur le thème des constellations, des étoiles, etc. Ils font confiance aux jeunes et c'est quelque chose qui est hyper important. Moi, je sors de 2 masters d'interprétation. Je suis censé être mieux formé que jamais. Et pourtant, les festivals qui te donnent des opportunités en te respectant, que ce soit en termes de programme, en termes de finances, en termes de tout ça, ils sont rares. C'est vraiment un honneur. De faire partie de cette sélection, mais chaque année, ils donnent leur chance aux jeunes, ça c'est super. C'est un gain d'expérience qui est énorme, puisque on travaille toute l'année pour être dans des vraies situations comme celle-là, et quand elles arrivent que 2 fois ou 3 fois par an, c'est pas assez, puisque comme tout le monde peut l'expérimenter dans sa vie, dans des moments de stress, le corps réagit différemment, forcément. Le corps, le cerveau, les oreilles, tout réagit différemment. Et très souvent, quand on travaille, on essaie de se mettre en situation de ce concert-là pour justement créer un peu ces tensions d'oreilles, de cerveau, de corps, pour savoir comment réagir sur scène, mais c'est jamais pareil. Et donc, en effet, ça nous apporte une expérience folle. Moi, j'ai énormément appris hier. Alors, j'essaye sur le concert de pas apprendre, de pas tirer de conclusion, parce qu'il faut complètement rester dans le discours, dans la poésie, dans ce qu'on a envie de transmettre, de communiquer au public, bien sûr. Et juste après le concert, je suis sorti, ma copine est venue en backstage me féliciter et je lui ai dit j'ai tellement appris ce soir. Et je l'ai senti que j'avais gagné énormément. J'ai tellement de nouvelles idées, des nouvelles choses que j'ai envie de faire suite à ce concert. Et si j'avais pas un cadre comme celui-là, une confiance comme celle-là et un répertoire aussi exigeant que celui-là, j'aurais pas appris, c'est sûr. C'est sûr. Je m'appelle Sophie Negoïta et je suis chanteuse. Moi j'adore ce festival, ça fait longtemps et je suis une grande fan. Je trouve que entre la qualité musicale qui est proposée et toutes les différentes sortes de choses qu'on peut venir écouter, manger, voir, c'est génial, j'adore. Et surtout que j'étais pas censée en faire partie, donc c'est vraiment très très drôle. C'est une grande surprise.
On va bien rigoler. Mais je crois qu'il faut quand même que j'aille me préparer et que je mange mon sandwich et que je me chauffe un peu. Alors, salut. Je suis très content de la masterclass qu'on a fait aujourd'hui. On a fait avec trois jeunes très talentueux. Je ne suis pas un pédagogue dans le sens, c'est pas ce que je fais dans ma vie, dans ma carrière, c'est je ne suis pas un pédagogue. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est partager avec eux une vision de la musique et du violon en particulier. Parce qu'évidemment, tout part de là. Moi, je suis un grand amoureux du violon. J'adore le violon, c'est pour ça que je suis violoniste. Et donc, parler de violon, bah, ça me rend heureux, partager. Moi, je l'aborde plutôt comme ça, comme un partage. Et effectivement, que les jeunes puissent avoir un regard de plus, ou une opinion de plus, ou une façon d'aborder ce thème en plus. Donc, c'est vrai que cette notion de transmission, elle est essentielle, je pense, à un moment donné, dans la vie de tout artiste, je pense. Je fais rien. C'est pas évident. J'avais l'impression qu'il était très ouvert à toute proposition, toute suggestion, toute interprétation. Donc je pense vraiment que c'est pas seulement sur ce morceau que ça va me faire réfléchir, mais juste dans ma pratique en général. Donc je pense vraiment que ce sera très bénéfique pour moi dans le futur. Pour moi, il est important de respecter les choix et la spécificité de chacun. Par contre, il faut qu'ils cultivent leur personnalité. C'est ça, en fait. J'ai dit qu'il faut être le meilleur soi possible. Il faut avoir l'envie, par exemple, quand on parle du style, par exemple, un truc stylistique, il faut l'aimer. Et quand on aime, en fait, on a envie, enfin, on le fait, on recherche naturellement ce qui est adapté à ce style. Et c'est ça qu'il faut cultiver, donc son meilleur soi, mais avec le travail, disons. C'est le travail qui va être au centre et le travail va amener à ces notions de respect des styles, etc. Les reprises. Ah oui. Un autre point, je pense qu'on a abordé aujourd'hui et qui est important aussi et qui est des fois un peu négligé, c'est la connaissance du corps. Je pense que c'est le rôle de la masterclass que je dise des choses aussi qui vont servir, pas que aujourd'hui effectivement, qui vont servir sur le long terme. Et par exemple, connaître l'engagement du corps, c'est très très important. Et c'est vrai que des fois, quand on est dans un cours quotidien, enfin, ou hebdomadaire, etc., on est tellement, il y a les concours, il y a les examens, il y a les échéances, donc il faut vite arriver à un résultat concret, parce qu'on est jugé à la fin, et ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, dans une masterclass, c'est au contraire, c'est de donner des pistes à très long terme, finalement, que je m'applique moi à moi-même.
Simon Biscas, Jean, Lucas, Antonin, Catherine, Jimmy, Gaston, Mathia, Caroline qu'on a réussi à faire monter sur scène pour la 10e. Merci beaucoup.